Bonjour, bienvenue à la troisième émission de la Vallée des Arts. Aujourd'hui, nous recevrons Reine Maltais et Joanne Hinz. Nous avons aussi déménagé notre émission à la Maison de la Culture, la Maison Villebon. Chantal Lebel, coordonnatrice de la maison, a bien voulu nous accepter. Chantal, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir qu'on puisse tourner notre émission ici à la Maison Villebon. Sûrement pas autant que moi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as accepté si rapidement? Parce qu'il faut le dire, c'était vraiment rapide, le oui, pour venir enregistrer l'émission ici. Puis pour nous, la Vallée des Arts, c'est un plaisir parce que c'est un environnement qui est très chaleureux. Puis je pense que c'est la place pour les artistes de la Vallée du Richelieu de venir se confier à nous. Oui. Pour moi, ça a été une belle occasion de dire oui. La Maison Villebon, elle existe, elle a ouvert ses portes, ça fait 2 ans. Alors, c'est pas encore totalement ancré dans les habitudes. Alors, moi, je trouve que c'est une super occasion de vous ouvrir les portes. Surtout que votre émission et notre mandat, c'est de promouvoir les arts et la culture. Alors, en partant, on fait déjà un beau mariage. Et la Maison Villebon, c'est ça. Comme s'il y a des gens qui ne savent pas, c'est une maison de la culture, c'est la ville de Belœil qui permet à ses citoyens d'assister à des spectacles et à des expositions. Donc, de septembre à décembre, tous les jeudis soirs, il y a des spectacles. Et il y a toujours une exposition en cours qui est ouverte au public les soirs de spectacle, les jeudis soirs. Et les dimanches également, qui est ouverte au grand public, à tout le monde qui passe dans le coin. Merci beaucoup, Chantal, de nous permettre de faire l'émission La Vallée des Arts ici, à la Maison Villebon. Et j'espère que nous allons la rendre encore plus vivante. Je pense que nos artistes apprécient beaucoup que tu nous ouvres tes portes. Merci beaucoup, Chantal. Bien, ça me fait plaisir de rendre ma maison vivante. Et moi, je vous souhaite non pas une belle route des arts, mais je vous souhaite une belle Vallée des Arts. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Reine Maltais sera avec nous.